Oui, 2-2 contre Solières, c'est pas vraiment le départ idéal en championnat. Hein. Non, c'est clair. Surtout que les 20 premières minutes, le premier quart d'heure était catastrophique. Est-ce que c'est peut-être le stress du premier match et tout ça? Donc après, on s'est bien relevé. On a réussi à faire le plus dur, de mener au score. Le coach nous avait prévenu 2-3 jours avant et tous les jours, il dit qu'il n'y a qu'une seule façon qu'on peut nous avoir sur surface arrêtée. Et encore une fois, on se fait avoir comme ça. Donc c'est un peu dommage. Sinon, on ne laisse pas grand-chose comme occasion. Mais encore aussi, si c'est 2-2, et à la fin, on rate encore un peu de trop. Donc même si c'est 2-2, je pense que quand même, on mérite cette victoire. Mais bon, on doit donner beaucoup plus que ça. Il faut dire que Nicolas Pierre a sauvé 2 ou 3 buts tout faits. Hein. Oui, voilà, c'est comme ça. Le foot, c'est comme ça. Aujourd'hui, le gardien a sauvé son équipe. Mais c'est à nous à continuer à travailler. Il faut garder le positif aussi. Le positif, c'est qu'on s'est créé beaucoup d'occasions. Maintenant, il faut essayer de les mettre au fond. Alors, ça veut dire que dimanche prochain, il n'y a pas d'alternative. Il faudra aller gagner à Châtelet. C'est pas une mince affaire. Non, mais de toute façon, chaque match, comme j'ai dit, ça sera difficile. Parce que qu'aujourd'hui, tout le monde veut battre Liège. Ça va être un déplacement difficile, mais à nous à jouer de notre jeu et essayer de faire le maximum pour aller chercher ces 3 points. On garde le moral quand même. Oui, bien sûr, même si c'est un match normalement à notre portée pour prendre ces 3 points aujourd'hui. Mais on n'a pas réussi, il faudra retravailler dès demain.